Bonjour et bienvenue sur Mon Financier. On commence par la nouvelle la plus importante. Ça y est, ils sont nés. Gabriella et donc c'est Jacques Honoré sont nés, les enfants de Charlène, qui sont autant princes que moi. La baisse du pétrole continue, elle s'effondre. Hein. Les Saoudiens l'avaient dit, ça serait 60 dollars. On est passé hier quasiment à 60 dollars sur le crude. Nous, on pense que ça va s'arrêter, même rebondir. On devrait être dans les mois qui viennent dans une fourchette de 60 à 80 dollars. Les Saoudiens ne peuvent absolument pas laisser le pétrole baisser en dessous de 60 dollars. Ça devient dangereux pour eux. Les masques tombent. Madame 35 heures a décidé de s'attaquer à Manuel Valls. Je pense qu'il faut qu'elle aille au bout de ses convictions, que je respecte, et faire tomber le gouvernement et qu'on ait enfin des élections partielles. Le Wall Street Journal nous dit qu'on devait avoir une fin d'année tranquille, un rallye de fin d'année, c'est ce qu'on nous avait promis. Et puis voilà qu'avec la baisse de 45% du pétrole, tous les prévisionnistes sont obligés de revoir toutes leurs prévisions. Alors qu'il y a quelques semaines, les prévisions de CAC 40 à 5000 points en fin d'année foisonnées, bien pour l'instant, la performance du CAC est négative. On a envie de se dire tout ça pour ça. Airbus, merci le Qatar. Le Qatar a décidé de reporter sin die la livraison du premier A350. Juste une petite chute de 10%. On n'avait pas vu ça depuis 6 ans. Ça fait 4 milliards d'euros qui se sont juste envolés en quelques heures hier. Quel pays sympathique, le Qatar. Hello Bank a annoncé qu'ils avaient atteint un de leurs premiers objectifs en nombre de comptes. Donc beaucoup d'articles dans la presse sur les banques en ligne. Numéro 1, ING Direct. Deuxième, Boursorama. Mais pourtant, ça ne représente encore qu'une part infime des comptes ouverts dans des banques. On a enfin, pour terminer, le bonheur des uns fait le malheur des autres, et le malheur des uns fait le bonheur des autres, et vice-versa. Le jackpot des compagnies aériennes, c'est le jackpot total avec la baisse du pétrole. Alors, Air France a eu la mauvaise idée de couvrir une partie de ses achats pour 2014 et 2015, donc il n'en bénéficiera pas totalement, mais il bénéficie en partie quand même. Et donc, c'est pour ça que le cours a progressé. Voilà, restez avec nous sur Mon Financier, on risque d'avoir une journée agitée.